Une adéba est une décoration de cheveux très facile à réaliser avec vos amis. Premièrement, vous avez besoin de fil. Vous pouvez utiliser de la laine ou du coton. Choisissez vos couleurs, le mieux est d'en choisir deux. Après, coupez le fil selon la longueur de vos cheveux. Vous devez couper 3 fois la longueur de vos cheveux, par exemple pour une longueur de cheveux de 20 cm. Coupez alors 60 cm pour réaliser la teba. Pour commencer, choisissez l'endroit où vous souhaitez réaliser la teba. Faire une tresse sur une mèche mouillée. L'épaisseur de la tresse va définir l'épaisseur de vos atebas. Plus la tresse est grosse, plus la teba sera épaisse. Prenez un bout de papier et coupez-le en deux au milieu jusqu'aux 2/3. Ce papier évitera d'emmêler les cheveux avec la mèche à tresser. Placez le bout de papier sur la chevelure et y mettre la tresse à l'intérieur. Attachez votre fil au bout de la tresse et faire un nœud. Serrez fort et commencez à enrouler le fil autour de la tresse. Pour cela, vous devez faire un nœud spécial. Mettre un fil A au centre avec la tresse et utiliser seulement le fil B. Le passer au-dessus de la tresse, puis ensuite par-dessous le fil A et faites-le ressortir dans le cercle. Ensuite, vous pouvez tendre votre fil et recommencer ce nœud encore et encore jusqu'à la fin de la teba. Après une dizaine de nœuds, vous allez voir apparaître le design sur vos cheveux. Continuez ainsi jusqu'au bout et terminez en faisant un nœud.